Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mois d'août 2018 pour une nouvelle vidéo. La vidéo du gingembre que je voulais vous montrer les étapes, comme je vous avais dit dans le truc. Donc ça c'est le gingembre que j'ai acheté au magasin. Ça c'est le rhizome. En fait, vous pouvez l'acheter avec ça. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, vous le mettez. Vous voyez, j'en ai plusieurs là. Je l'ai mis dans du pot. En dessous, j'ai mis du coton. Et comme vous voyez, il a fait les racines déjà. Regardez. C'est la manière la plus simple de... Ça, c'est du coton, donc n'ayez pas peur. Comme vous voyez. Deuxième étape, mettre du coton au fond d'un petit pot comme ça. Mettre un petit peu de terre dessus. Et vous recouvrez du coton de nouveau. Et puis, vous mettez un petit peu d'eau pour arroser. Alors, je vous donne le résultat. Ça, c'est une tige il y a un mois et demi, à peu près un mois et demi, deux semaines. Donc, vous voyez, ça, c'est la première tige qui a germé, et puis voilà, ça c'est en train de grandir, comme vous voyez. Voilà, c'est qui a déjà des racines. Là, je vais la mettre dans le sol, comme ça elle va continuer à pousser. Normalement, on plante le gingembre au début du printemps, mais là, moi je me suis pris au mois de juillet, là on est au mois d'août. J'espère qu'il va quand même aller jusqu'à maturation, donc on verra, je fais l'expérience et je la partagerai avec vous. Alors voilà, je vais le planter. J'avais déjà mis du terreau parce que, comme je vous avais dit, que l'année dernière j'ai essayé de le planter comme ça. Si vous le plantez comme ça, ça ne marchera pas. Franchement, ça ne marchera pas. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc après vous pouvez faire des expériences. Hein. Donc là je vais mettre celui-ci, vous voyez là ses racines, et le rhizome apparemment, vous voyez, il est sorti. Voilà, je vais le mettre comme ça, je pense. Voilà, comme ça. Et puis je vais recouvrir. Je vais recouvrir et puis je vais voir ce que ça va donner. Parce que bon, la tige est un petit peu vers le bas. Donc, et les autres? Alors, celui-ci. Bon, la tige n'est pas tout à fait encore sortie. Je vais tenter aussi de le mettre dans le sol pour voir. Pour comprendre un petit peu comment ça marche. Je vais laisser un petit peu d'espace. Là, je vais arroser. Attention, s'il y a quelque chose qui doit sortir, ça sortira. Et celui-là, je vais le mettre, le dernier, je vais le mettre là. Comme ça, ils seront ensemble. Bon, on fait l'expérience, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je mets debout, comme ça. Je recouvre. Et on va attendre ce que ça donne. Je vais arroser. Hein. Ça, je range. Je vais arroser. Alors ensuite, je vais arroser. Je vais arroser tous les jours pour que ça prenne. Bon, ça aussi, il pleut demain. J'aurai pas besoin. Comme vous voyez, la tige, elle est grande. Comme vous voyez, la tige, elle est grande. Et par rapport à la dernière fois. Et ça, c'est celle que j'ai plantée. Elle est toute petite.
Et celui-là, comme vous voyez, il n'a pas poussé. Celui-là. Ouais, parce que, en fait, lui, il n'y avait pas de racines. Vous voyez, il aurait fallu que je le laisse encore un petit peu dans le coton. Donc, je vais le laisser quand même un petit peu. Je vais voir, on verra. Mais voilà. Voilà, ça a poussé. C'est quand même assez grand. Alors, je vous montre depuis la dernière fois. Il a poussé. Hein. Vous pouvez le constater, c'est le dernier. Ça, c'est le tout grand. Voilà. Celle qui n'a pas poussé, elle est là. Donc, ça pousse tout doucement. Voilà, le gingembre, la deuxième tige, comme vous voyez, elle a poussé depuis. Et ça, c'est la toute grande. J'espère seulement qu'elle pourra arriver à la fin, parce que bon, comme on est au mois de septembre, j'espère qu'il y aura du soleil encore pour pouvoir récolter du gingembre. Bon, c'était un premier essai. L'année prochaine, Inch'Allah, je planterai au mois de septembre, au mois de au printemps. Donc, c'était l'essai. Pas réussi. Bon, bien sûr, j'espère qu'on manquera pas de temps. Alors, voilà, je vous montre. Ça, c'est le dernier gingembre que j'ai. Le tout petit qui est tout rikiki, vous voyez, il a grandi. Ça, c'est le deuxième, l'avant-dernier. Et ça, c'est le grand. Vous voyez, ils ont grandi tous les deux. Ça pousse à une vitesse. Puis, c'est fait beau, donc voilà. Ça suit son cours. Hein. Là, je montre, ça c'est vraiment le tout grand, vous voyez. Et ça, vous avez les autres qui sont là-bas. Le petit, il est là.